Shut up and sit down. Bonjour et bienvenue à tous dans notre troisième édition de Face à l'écran, votre web TV dédié à FaceVar. Je suis Franck Pitiloni et je vous accompagnerai tout au long de cette émission. Bonne année ! Au programme aujourd'hui, revenons sur l'événement marquant de cette fin d'année 2016, la charte Entreprise et Quartier. Pour commencer, resituons-nous cette charte grâce à une vidéo de présentation, suivie de quelques images de l'événement de signature de ce jeudi 17 novembre. Et pour finir, Jean Cabasson nous présentera ses vœux. Découvrons sans plus attendre en images en quoi consiste cette charte Entreprise et Quartier. Une vidéo qui nous permet d'appréhender plus en détail les actions de cette charte. Sans transition, avec 29 entreprises re-signant cette année et 21 nouvelles entreprises, ce ne sont pas moins de 160 personnes qui ont été présentes lors de cet événement de la signature de la charte Entreprises et Quartiers. Je vous propose de revenir en images sur les points forts de cette soirée. Créer des liens entre les entreprises et les différents acteurs du territoire. À l'école, on n'a qu'une envie, c'est d'en partir et on ne sait pas trop vers où. Donc c'est des entrepreneurs qui vont donner un peu de temps pour un jeune, pour travailler peut-être plus le savoir-être. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes très honorés de participer à cette soirée et d'être parmi vous.
L'équipe FASVAR tient à remercier tous les signataires et les participants à cet événement, et plus particulièrement le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine. Le Pôle emploi en la personne de Viviane Driquez, mais aussi Jonathan Trival pour leur implication. Retrouvons maintenant notre président Jean Cabasson, qui veut nous présenter ses vœux pour cette nouvelle année 2017. Chers amis téléspectateurs, toute l'équipe de FASVAR vous a accompagné avec beaucoup de plaisir tout au long de cette année 2016. Une année 2016 où, en plus de la mobilisation de nouveaux partenaires, nous avons également travaillé sur des projets conséquents tels que la charte entreprise et quartier. Un projet destiné aux entreprises et financé par la préfecture du Var pour agir ensemble sur le développement économique des quartiers prioritaires de l'agglomération. Également le projet technique, qui est un projet national de valorisation des métiers industriels et techniques auprès des collégiens et des lycéens. Ou encore le projet Civigaz, qui a pour but de réunir 8 services civiques autour de la transition énergétique, afin qu'ils sensibilisent les familles aux économies d'énergie et à la sécurité gaz à l'intérieur de leur logement. Chacun de ces projets n'a pu se faire sans votre mobilisation, et pour cela, un grand merci. Cette année 2017 annonce des nouveautés avec l'obtention de financements européens, afin de continuer notre développement vers les demandeurs d'emploi de tous âges. Mais je n'abuserai pas plus longtemps de votre attention. Je tiens encore une fois à vous remercier sincèrement de tout ce que vous faites pour notre club d'entreprise. Et à l'occasion de cette nouvelle année, veuillez recevoir de la part de tous les collaborateurs de FASVAR ainsi que du conseil d'administration nos voeux de santé, de bonheur et de prospérité. Merci de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2017. Et comme le disait Monsieur Spock, longue vie et prospérité. Shut up and sit down. Ça tourne, caméra 1. Attends, mais du coup, je fais quoi? Ce que tu veux. Bonne année! Tu veux pas faire un geste pour se barrer? Mais non, tu veux, je sais pas si je veux. Non, elle est bien. On la fait juste une fois.